très joli, mais il n'y aurait pas un bistrot où on pourrait boire un verre? Allez, suivez-moi. Ça vous intéresse? Regardez. Oui, alors? Ça n'a rien d'étonnant. Ne posez pas de questions et prenez des photos. Allez-y! Ils font quoi, là? Ils sèment quelque chose? Exactement, monsieur Borg. Ah, je vois qu'on me connaît ici. Allons-nous-en. Ah, c'est elle qui commande. Attendez un peu. Donnez-moi ce film qui est dans l'appareil. C'est une propriété privée et je ne me rappelle pas vous avoir permis de prendre des photos. Allez, ce film. Il les a prises pour moi et j'ai la permission de Jeanne. Je possède autant de droits sur ce domaine que ma sœur. Paul! Est-ce que tu peux détruire ce film, Paul? Il suffit de l'exposer à la lumière. Eh bien, fais-le, veux-tu? Ça te va, comme ça? Parfait, mon vieux, c'est du bon boulot. Et maintenant, foutez le camp! Ce morveux. T'inquiète pas, il ne fera pas de vieux os ici. Oui, c'est ce que tu disais pour la photographe. Elle est encore là. Dans 2 ou 3 jours, tout au plus, nous serons prêts, Paul. Ensuite, nous contacterons les types de l'environnement et le tour sera joué. C'est ce que j'espère, Louis. Europe 2 s'enflamme pour The Corrs. Le groupe le plus séduisant d'Irlande. Talking Corners, le nouvel album des Corrs. Allô, oui, bonjour. Bertrand Mallet de Nex Assurance. 6 chevaux, 30% de bonus. Nantes, pas d'accident. En tout risque, 2200 francs par an. Les prix de Nex Assurance sont parmi les plus bas du marché. Je serai votre unique interlocuteur. Vous aussi, téléphonez au 0801 108 102. N'oubliez pas, 0801 108 102. Téléphonez maintenant pour un devis auto immédiat. Là-dedans, tout va disparaître. Les cloisons, les séparations seront abattues. Ce sera très facile. Et à la fin, il ne restera que les 4 murs. Et les chevaux, alors? Ils seront vendus. Leur entretien coûte trop cher. Si je pouvais recevoir 2 touristes à la place d'un cheval, je gagnerais de l'argent au lieu d'en perdre. Vous comptez faire combien de studios? Je vais envisager, disons, une cloison pour 2 box. Ça fait 5 studios. Je vois. Ici, nous ferons des parkings. Il y en aura 1 par appartement. Vous allez saccager cet endroit magnifique, Jeanne. Pensez-y. Puisqu'on ne me donne pas la possibilité de construire, je fais avec ce que je dois m'en tenir à la loi, vous le savez. Entre nous, Victor, il y a bien un moyen de contourner ces règlements sur la protection de la nature. On peut toujours s'arranger pour qu'il n'y ait plus rien à protéger. Les forêts de pins parasols sur la côte, par exemple. Hein? Qui a envie de se décarcasser pour les protéger après un incendie? Oui, d'accord, mais qui a envie de se retrouver en tôle? Ah, vous avez déjà des pensionnaires? Daphné réalise mon prospectus, c'est pour ça qu'elle est là. Quant à lui, c'est le neveu de mon banquier. Ah.
Mademoiselle Jobert, Monsieur Bernard. Monsieur Bernard est ici en tant que délégué régional du ministère de l'Environnement. Bonjour. Enchanté. Monsieur Borg, Monsieur Bernard. Monsieur. Enchanté, monsieur. Dites-moi, qu'est-ce qu'ils sèment, les gardiens, dans les marais? Je crois que Monsieur Roulin veut essayer de faire pousser du riz. J'imagine que vous devez être au courant. Louis et moi, nous avons un accord. Je m'occupe des chevaux, lui s'occupe de la mise en valeur de nos terres. Est-ce que je peux faire quelque chose pour vous, Madame Roulin? Dès que Louis reviendra, dites-lui que je veux lui parler. Je suis sûre qu'il se fera un plaisir de répondre à vos questions, Monsieur Borg. Ce sera tout, Luc. Venez, Victor. Au revoir. Elle est plutôt glaciale. Après toutes ces épreuves, j'espère que vous allez tenir vos engagements. J'ai bien besoin de délassement. Avec un peu de chance, on peut voir des flamants avec les jumelles. Ah, où ça? Par là. Vous les voyez? Ils sont magnifiques. Regardez-les bien, vous n'en verrez peut-être jamais d'autres. C'est la seule zone de reproduction. Enfin, en Europe. C'est extraordinaire. Ça vous fait encore mal? Non. Non, ça va beaucoup mieux. Quel dommage. Je n'y vois presque rien. Ah, tu débrouilles quand même très bien. Excusez-moi, mais j'ai une tâche à accomplir. Je travaille pour le compte du FMN. Et qu'est-ce que c'est, le FMN? C'est le Fonds Mondial pour la Nature. Ah, d'accord. Et mon travail consiste à compter les aigrettes. Et je suis désolé, mais malheureusement, je ne peux le faire que de là-haut. Oui, je comprends très bien. Donnez-nous quelques minutes et... Excusez-moi, ça m'ennuie beaucoup, mais vous comprenez, à moi seul, j'ai au moins 12 postes d'observation à voir par jour. Ça fait vraiment... ça fait beaucoup de travail. Ah, d'accord, d'accord. Laissez-nous 5 minutes pour nous habiller et ensuite on vous aidera à compter vos bestioles. Oui, c'est très gentil à vous, mais je suis responsable de l'opération. C'est moi et moi seul qui garantis qu'aucun animal n'est compté en double. Et